Salutations, ladies and gentlemen, on se retrouve pour un jour, un épisode encore toujours sans dormir. Avec ma petite cahute, bah, j'ai un petit peu avancé quand même. Je l'ai un petit peu décoré, j'ai rajouté ce petit ponton. Voilà, ouh, j'ai des lags, j'ai l'impression. Ça y est, c'est mieux. Et puis, il y avait un villageois itinérant, donc je me suis amusé à lui piquer ses lamas et à leur mettre un tapis, les apprivoiser et leur mettre des coffres. Bon, ils ont que 3 emplacements, mais c'est toujours ça. J'ai ramené des moutons aussi pour que du coup je puisse faire un lit, ce qui fait que dans la petite cahute, il y a un lit. Voilà, donc Robinson à sa cabane. Maintenant, on attend vendredi et tous les autres. Bah oui, vendredi, c'est aujourd'hui. Je pouvais pas éviter la blague sur Robinson. Regardez l'autre là, il est barré là, il est barré, il va au temple, lui. Et ben nous aussi monsieur, on va au temple, voilà, puisque c'est ainsi. Alors tu vends toujours la même chose? Ouais, tu vois toujours. Alors j'ai essayé de lui acheter un peu de tout, en me disant il y a peut-être un progrès dedans, bah non, même pas de progrès. Que dalle, pas de cadeau. Alors par contre, aujourd'hui c'est vendredi, mon son est un peu chiant chez moi, alors, on va baisser un peu. Et je me suis dit que on allait quand même avancer ce temple ensemble. Voilà, tant qu'il fait jour, donc on va réactiver notre schématique Energy Temple. Hop. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez voir ce que ça va donner, on distingue peut-être là en fantôme ce que ça peut donner au final. Hop, on va essayer de se mettre par là. Voilà, et ça fait un bon truc, hein. Voilà, donc bon, en patron comme ça, ça rend pas trop, hein. C'est, j'avoue, on voit pas trop le rendu final. Mais je vous assure, ça va être pas mal. Ça va être pas mal du tout. Alors du coup, on va changer un petit peu le mode de rendu. Hop. Alors pour ceux qui ne savent pas se servir de l'Itematica, je vous rappelle que j'ai fait un tuto sur ma chaîne. Donc voilà, il ne tient qu'à vous d'aller voir un petit peu comment ça marche. Alors, comme Shira nous a ramené quand même beaucoup de choses, eh ben on va essayer de rectifier un peu les erreurs. Déjà. Alors, par exemple ici, là, ça c'est pas bon. Là, c'est de la smooth stone, a priori. Donc on va regarder ce qu'elle nous a ramené en smooth stone, c'est-à-dire de la roche lisse. La roche lisse, c'est ce qu'on cuit, donc c'est ces petits bidules-là. Donc déjà, on va essayer de voir si on peut mettre... Voilà. Alors, on a toujours nos deux copains, là. Je sais pas si le bébé est revenu. Hein, Tarzan immobilier, là. Le bébé, il est pas revenu. Bah non. Les perroquets, ils ont bougé jusqu'à se retrouver tout en bas, là. Hein, toujours pas de bébé. Bon, bah, faudra en refaire un, monsieur. Hein. Allez, au travail. Et plus vite. Et que ça saute. Alors, on va descendre un peu le visu. Voilà, on va s'intéresser d'abord... Ah, bah, cela, d'ailleurs, c'était des quoi, ça? C'était de la polish andésite. Crack stone brick. Polish andésite. Ouais, on va d'abord s'occuper de la smooth stone. Donc on va remonter d'un cran, c'était ici. Là je crois que c'est que de la smooth stone tout le long. Ouais. Et bah du coup, hop, c'est parti. On enlève tout ça. Et par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je crois que j'ai pas vu dans la liste de cracked stone brick. Alors ça aussi c'est de la smooth stone. Hop, voilà. Là. Hop. Oui, là, il y a de la crack stone brick. Et je crois que j'en ai pas vu. Ça, c'est de la moussure. Ça, c'est encore pire. Bon, bref, on va enlever tous les blocs rouges, là, de ce niveau-là. Et on va voir ce que ça peut donner de les remettre ensuite. On va ruser. On va y arriver. No problemo. L'idée, c'est qu'on est comme au-dessus. Hein. Pas d'erreur. Pas d'erreur. No error. Ça, je pense que c'est pareil. Hop, le bloc, là, il est là. Hop, voilà. Allez, on continue notre petit tour. Youp, la boum, 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 boum. Hop, ça aussi. Voilà, et je crois que j'en ai raté un par là. On va passer par ici. Voilà, j'ai raté celui-là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est crack stone brick. Il va vraiment falloir que je mette à cuire, je pense, de la stone brick, du coup. Ok. Déjà, on va poser ça. Et je vois qu'il va me falloir des dalles aussi. Ah, bah là aussi. Tiens. Ça. Ah, puis là, ça va pas être beau, ça, si on laisse la terre ici. Voilà, là, il faut mettre aussi une smousse. Et il me faut des dalles de smousse. Allons chercher des dalles de smousse. C'est l'inconvénient avec l'Itematica, c'est que du coup on se met à parler Minecraft in English.
n'a pas besoin de beaucoup, je pense. Hop, voilà. Parce que c'est vraiment que dans les angles. Déjà 22, je pense que j'en ai mis un petit peu trop. Voilà, ici, il y en avait une. Et ici aussi, mais je peux pas la poser sans poser celle-là d'abord. Voilà. Eh, faut ruser. Hein. Hop. Ah, mais il y en avait une là aussi, dis donc. Juste là, là. Hop. Une comme ça. Voilà. Et ça, on va les mettre par en dessous, comme ça. On va pas être obligé de mettre des blocs temporaires. Impeccable. Et ben là, je peux pas les mettre par en dessous. Je peux pas les mettre par en dessous. Oh, tiens, celui-là, c'est un quoi? Crackstone brick encore. Et bien, si, on va pouvoir les mettre par en dessous comme ça. Hop, hop. Eh. Non, mais. On va pas se laisser embêter. Hop, hop, hop. Allez. On accélère le mouvement. Boum, boum. Là, on récupère les cailloux. Là, pareil, on va en profiter qu'on est par en dessous pour les remettre. Bing, bing. Là, c'est autre chose. Donc, on ne met pas. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Toc, toc. Alors, je vous rassure, ce temple, je l'ai vraiment inventé. Donc, pour ceux qui disent, oh, il triche, machin, il reprend un truc déjà fait, eh ben oui, déjà fait par moi. Par moi. Moi, oh, que moi, rien que moi. Eh, quand même, pas déconner non plus. Alors, des petites dalles. Hop, une ici. Là, c'est quoi? Là, il crée carpette, mais en dessous. Ah, maintenant, c'est bon. Ah oui, c'est parce que j'avais mis des carpettes pour empêcher le spawn. Et on fera autrement. On fera autrement. Là, par contre. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Là, il y a une petite dalle ici. Voilà. Il n'y a pas une autre dans... par là, là. Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre. Et je ne passe pas par là. Alors là, ça devient compliqué d'y voir clair. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'avais raté des petits bouts à l'extérieur. Voilà, des petites dalles qui vont bien. Ok. Est-ce que j'ai raté autre chose par là? Pop, 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 pop. Normalement, on est bien. On est bien. Ici, ça devait être de la smooth tone aussi. Soyons cohérents jusqu'au bout. Voilà. Et là, bing badaboum. J'arrive à la placer. Voilà. Et ça devait en être une aussi. Ce sera mieux comme ça. Voilà. On complétera plus tard. Ok. Donc là, on est bien. Et on aurait pu finir, du coup, l'étage d'andésite qui est là. Voilà, il y avait... Ah oui, ok. Donc il me faut de l'andésite poli. De l'andésite poli. Donc on va ranger ça pour l'instant. Mince, j'ai plus de place. On va prendre un stack pour l'instant et on va ranger la smooth dalle. J'ai pas de crack. Ah si, pierre taclée. Taillé craquelé, j'arrive plus à parler. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, il me faut de l'andésite poli, j'ai dit. Hop. Donc on va prendre de la... Non, c'est pas de l'andésite, c'est de la diorite poli. Hop. C'est parti. Là, normalement, c'est du diorite poli. Parti là. Ce que j'aurais pu faire pour éviter à chaque fois. Hop. Faire un truc comme ça. Quand même plus sympa que de mettre des blocs temporaires que je dois renlever après. Hop. Tic tac. Tic tac boum. Là pareil. Là pareil. Et là-bas. Et là-bas aussi il y en avait. Là-bas aussi il y en avait. Ah. Il y en a un en dessous. Ok. Hop. Allez, bah on va partir de là, du coup. On va partir de là. Hop, hop. Comme ça. Tiens, là, j'aurais pu mettre un échafaudage aussi. Je vais les récupérer après, mais c'est quand même plus rapide de récupérer des échafaudages que des blocs temporaires. Voilà, c'est des échafaudages temporaires à la place. Ok, donc là, on est bien, c'est déjà mis. C'est perturbant quand il y a déjà des végétaux et tout ça, mais bon, c'est comme ça. L'avantage, c'est qu'en plus, mes échafaudages, ils me servent à monter.
tout simplement, hop, là, bing, badaboum, ça va vite, hein, quand on a l'ithématica. Hop, là, on fait du comme ça, comme ça, là, bam, bam, on saute, bam, bam, là, tac, tac. Et toute l'université, les murs ont été construits comme ça. C'est vous dire le temps qu'on y a passé. Hop, là je suis bien, 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 et là je suis pas bien. Hop, on va compléter du coup. Voilà, pour avoir tout bien comme il faut. Ça c'est quoi? Stone brick, stone brick. Là il y a un trou. J'avais dû laisser un trou sans faire exprès, sans le vouloir. Hop, si je monte d'un cran, c'est quoi après? Là c'est de la pierre taillée. Pierre taillée, est-ce que je peux viser depuis ici? Non. Il va falloir remonter après. D'abord, on va récupérer les échafaudages. Parce que là, en plus, les fantômes vont pas tarder à venir vous enquiquiner. Sauf si je me mets sous un bloc. Tout simplement. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Tous mes échafaudages. Hop! Petit épisode tranquille build. Hein. Il en faut aussi. Pas faire que de l'action tout le temps. Donc là, tout ça, c'est de la polished andésite ou mossy stone brick ou polished andésite. Polished andésite. Et tous ceux du bas, ça a l'air d'être de l'andésite poli. Donc on va continuer ça. Hein. Peut-être. Un peu d'andésite poli. Un peu de politesse. Ça n'a rien, ça ne va rien gâcher. Hop. Voilà. Du coup. Hop, hop, hop. Voilà. Nettement mieux. Pouf, pouf. Aussi. Et là c'est de la quoi? Moi aussi stone brick, ben ça on verra plus tard. Voilà, du coup je suis pas embêté. Là, celle-ci par contre, pouf 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 pouf. Toup 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 toup. Voilà. Et ça c'est de la cracked. Ok. Ok, alors du coup on va récupérer de la pierre taillée. Ranger. L'andésite pour l'instant, pierre taillée, j'en ai, on a un peu plus, et voilà les copains qui arrivent, j'en ai un, ah raté, pouf, 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 où je l'ai, et vous arrêtez d'arriver dans mon dos, ça se fait pas ça, j'attaque par derrière moi, hein. Non mais, moi c'est direct, hein. C'est la petite flèche direct entre les deux yeux. Boum, t'as vu? Regarde, entre les deux yeux. Boum, entre les deux yeux. Il est où le quatrième? Je suis sûr que t'es par là. Allez, montre ta fraise là. Tu vois, je t'avais dit que t'étais par là. Eh, paf. Plein décollage, je l'ai eu. Évidemment, ça va réarriver aussitôt. Mais, on va se dépêcher de poser du bloc. On va poser du bloc. Bing. Ah, mince, il y a de la... Il y a de la craque. Bon, je vais faire le tour quand même, comme ça. Hop, 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 hop. Et on fera pareil, on enlèvera les rouges après. Voilà, parce que ce que je voudrais, c'est aller assez vite pour qu'ils me tapent pas sans arrêt. Même si à chaque fois, bien mal leur en prend, parce qu'à chaque fois, ils se prennent un petit coup d'épine. Et ouais, les mecs, j'ai une armure quand même. Boum, 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 boum. On enchaîne, on passe de l'autre côté. Ah, punaise, c'est désagréable leur petite pichenette là. Quand on a une bonne armure en plus, on s'en fout, ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais c'est agaçant. Tiens, regarde, il y a un zombie là qui a réussi à se pointer aussi. Dégage. Tiens, bah, vous aussi, venez donc vous chercher un petit coup de d'épée en feu. Hein? Il est où là? Le gros machin là. Allez, dégage.
Et les deux là, pour les deux casse-pieds. En voilà un de moins, en voilà un autre. Ah, je t'ai raté. Ah, je t'ai eu. Alors, tu meurs toi ou pas? Vas-y, entame ta descente là que je rigole. Bam! Voilà. Allez, on continue notre régime de pommes. Et j'avais plus de pierre taillée dans la main, donc je peux pas continuer. Hop là. Et voilà, j'ai fait tout le tour. Ok, donc là il y a une entrée. On va compléter ici. Ah, nom d'une pipe. Ah, ça c'est pas un fantôme, c'est un petit squelette des familles. Boum, voilà. Et ça c'est un fantôme par contre. Ah, je peux pas l'avoir celui-là. C'est un réfractaire. Tu vas mourir quand même, hein. Regarde. Entame ta descente, que je rigole. Pah! Et pourtant, là, c'est moi qui l'ai tué. Pourquoi j'ai pas le progrès? Nom d'une pipe. Pourtant, je les tire de loin, hein. Pam, eh, je suis quand même pas mauvais, hein. Je m'envoie des fleurs. Tiens, un petit zombie des familles aussi. Bah tiens. Bah tiens. Un petit zombie. Hop, pour la route. Ok, donc là, bing, bing. On complétera après. Là, de toute façon, on peut le matin, si ça se trouve. Allez, dégage. Vilain petit zombie. Mais non, mais vous allez tous mourir, hein. Allez, venez. Venez, je vous attends. Allez, allez. C'est le temple magique ici. De toute façon, vous ne pouvez pas atteindre. L'énergie de ce temple est déjà en moi. J'aime bien le petit progrès des pommes, là, parce que ça nourrit pas beaucoup les pommes. Alors du coup, il faudrait que ça aille plus vite. J'hésite. Je complète ici ou pas? Parce que là, du coup, c'est de la quoi ça? Spoust. Ok. Ah, faut que je fasse des escaliers là. Là, il y aura. Hop. Je pourrais peut-être compléter par en dessous. Voilà. Là. Ok. Ça va permettre de faire un goulet d'étranglement pour les zombies. Et comme ça, ils vont moins nous enquiquiner. On va quand même se garder la sortie là pour l'instant. Ne pas y toucher. Donc je pourrais faire pareil ici a priori. Ah là c'est de la craque et ça c'est de la moussue. Ouais, bah non, c'est chiant ça. C'est pénible pour rester poli. Ok, et ben on va voir le niveau suivant. Ah il décale le niveau suivant. Et l'idée c'est un temple qui s'élève gentiment en forme de temple. Je ne sais pas comment dire. Définir cette forme. Ce que je pourrais faire du coup. Tiens, mais elf arrive. C'est mettre un peu de crackstone brick. On va être poli quand même. Coucou elf. Record un coup. Ne dis pas de bêtises. Hop. Est-ce que j'ai de la moussue? Parce qu'elle a bien mis de la pierre craquelée, ça j'en ai. Mais elle a dû se dire que la moussue, je pouvais la fabriquer avec tout ce... Ah, j'ai des pierres moussues. Et ben voilà, vous avez un coucou de elf. Non, je vois pas de pierre moussue. Hein. Avec tout le... J'ai plus de cisaille. Est-ce que avec la hache, je récupère... Non, c'est vraiment avec la cisaille uniquement qu'on récupère les lianes. Ouais, de toute façon, il va être l'heure. C'est pas la peine que je cherche à faire de la moussue maintenant. Non, mais toi, tu vas où, là? Dans tes rêves, quoi. Sans déconner. D'où il sort, lui? Eh ouais, là, c'est pas encore bouché. Ouais, c'est le problème. Alors, la pierre treillée craquelée. On va quand même en poser un petit peu là où il y a besoin. Là, c'était aussi de la... Non, c'était de la moussie, là. Là, c'était aussi. Là, c'était cracked. Ok. Ouais, ça va se compliquer quand même. Allez, une petite dernière pour la route.
Et puis ben ouais, je finirai hors caméra parce que là, clairement, il y a du boulot. Alors on va juste masquer un petit peu le schématique pour que vous voyez un peu ce que ça donne quand même. On a avancé, on a fait un rang de plus et puis on a bien modifié. Par où je pourrais... Oh bah tiens, là il y a un trou. Il y a un trou par là. Par là, je peux pas vous montrer. Et si on prenait de la hauteur? Si on prenait de la hauteur. Voilà, comme ça. Quand même pour vous montrer quelque chose pour terminer la semaine. Hop, voilà. Alors on va tricher, on va passer par là. Discrètement dans le sommet de l'arbre, on va se creuser un petit passage secret qui se verra pas. On va dire que ça se voit pas. Et bah regardez, ça fait quand même une belle bâtisse, ma foi. Par rapport à l'ancien, bah ça va être un peu plus gros, mais ça va. Et voilà, je voulais qu'il soit bien incrusté en fait dans le décor. Et je trouve que là, ça, on y est pas mal. On y est pas mal. Donc ça va monter, ça va habiller tout ce bidule, tout l'ancien. Et puis ça va monter, je pense, jusque là. Bah, attendez. On va vous montrer. Schématique placement. Placement on. Mais on va changer le rendu. On va faire le hall. Voilà. Eh, si, ça va monter jusque là. Il y a des espèces de trucs d'énergie là-haut. Puis voilà, ça fait un... À la fin, ça se met un peu comme ça. Et d'abord, il y a une base un peu élargie. Vous voyez, on est pas mal, hein, déjà. On a bien avancé parce que là, il y aura les entrées en hauteur. Alors, dans l'autre, j'avais fait aussi des petits passages secrets en fait en dessous. On verra ce qu'on va faire. Et c'est l'or que vous voyez, c'est parce que j'avais mis un beacon aussi pour que une balise pour que ça monte tout là. Le truc de fou quoi, hein, le truc, ça rigole pas. Alors du coup, pour l'instant, hop, et ben la semaine est terminée. Une semaine très jungle, très construction de village. J'espère que vous avez aimé aussi le fait que ben voilà, comment on crée un village, ben on récupère deux zombies villageois. Et on laisse pas les bébés se barrer. Voilà, la petite erreur qui s'est produite. Sur ce, je vais vous dire à lundi. Si le cœur vous en dit, portez-vous bien. Ciao, ciao.